Aurélie Prigent nous présente Calac et Bruyère. Allez, rentre cool. Allez, les résultats provisoires du championnat amateur un grand prix. Pour le numéro 1, Lucie Perrin, Malicieux de Verre. 53 points, 6e place au provisoire. Pour le 2, Michael Cornuet, Laurel. 47 points, 3e place au provisoire. Pour le 3, Béatrice Béliard, Olafer. 46 points, la première place au provisoire. Pour le 4, Chloé Mathurin, hors du commun. 58,50, 9e place au provisoire. Pour le 5, Cécile de Malvinsky et Credo d'Oréal. 48,50, 5e place au provisoire. Pour le 6, Cécile Bordeaux-Nado et Lef Groudière. 46 points, première place ex aequo au provisoire. Pour le 7, Maude Jacquemin et Colchique du Boudoir. Bois d'or, pardon. 53,50, 7e place au provisoire. Pour le 8, Dolima après Meryl. 63 points, 10e place au provisoire. Pour le 9, Estelle Mazel Jackpot V. 53,50, 7e place ex aequo au provisoire. Et enfin pour le 10, Charlotte Berruet et Palador du Ménil. 47,50, 4e place au provisoire. Entre en piste carrière A pour le Critérium Amateur de Grand Prix le 25. Piaggio & Co. nous est présenté par Grace Freeman de Zonde. Entre en piste carrière C pour le championnat amateur de Grand Prix le 23. Cobra de Frontigny nous est présenté par Amandine Guédon.
Et au départ au numéro 20, Aurélie Préjean, elle nous présente Calac et Bruyère et un couple totalisé 51,50 à l'issue des dressages. Allez, vas-y. Voilà, les trois premiers obstacles ont été correctement passés. Donc, à la Bruyère, qui vient de passer sur le haut du cross pour aborder le chapeau numéro 4. Allez, vas-y.